Thank you.
Salut. Bon, bah, c'est l'heure du café, hein. Cette nuit, j'ai eu 2 degrés, à peu près. Bon, bah, comme d'habitude, j'ai eu très froid aux orteils. Dans mon sac de couchage Carinthia Défense 1, malgré les petits chaussons en coton et les chaussettes en laine. Il va falloir que je trouve une autre solution. La seule fois où j'ai vraiment pas eu de soucis aux orteils, c'est quand j'avais fait une bouillotte avec ma gourde. Mais en hamac, la bouillotte, c'est pas évident de la maintenir au niveau des pieds. Donc il va falloir que je trouve une solution. Si je veux continuer à bivouaquer en hamac, il me faudra une solution. Bon, déjà, la terre qui était sur la toile, bah forcément, elle a séché. Elle est devenue un petit peu, j'ai envie de dire poudreuse, quoi. Elle est devenue grise. Elle a perdu toute l'humidité qu'il y avait dedans. Sous la toile, on avait des petites, on a des petites racines, bah, de résineux, je dirais, a priori. Elles n'ont pas été touchées. La terre qui est située sous la toile, elle est comme avant que je mette la toile. Donc pour moi, c'est plutôt gagné. Elle est un peu tiède. Ouais, mais elle n'est pas abîmée. Elle n'est pas noire. Ouais. Ben, je pense que je mettrai toujours un bout de toile ignifugée dans mon sac à dos quand je suis susceptible de faire un feu de bois. Ce bon vieux réchaud à double paroi, je l'utilisais énormément avant, et quand j'ai commencé à cuisiner, bah, il me fallait quelque chose qui donne pas trop de chaleur violente pour faire mijoter. Et le problème de ce réchaud à bois, c'est qu'il, pour moi, c'est l'équivalent du réchaud à gaz mais avec du bois, donc pour cuisiner c'est pas top. Et voilà, maintenant je vais rentrer.
Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le signaler en cliquant sur le petit pouce. Vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous. Je vous invite à le faire. Et puis, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre. Maintenant, je vais remettre le lieu en état, cacher au maximum les traces de mon passage. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Comme d'habitude, portez-vous bien. Essayez de sortir autant que possible dans cette belle nature. Et à bientôt. Salut. Allez, c'est reparti.